Bienvenue à cette capsule sur la sélection des articles dans Covidence. Une fois connecté, tous les projets auxquels vous participez s'affichent. Cliquons sur la revue effectuée dans la capsule précédente. Débutons par le tableau de bord. Covidence divise le processus de révision en quatre grandes étapes. Tout d'abord, dans la capsule précédente, nous avons importé des références dans notre projet. Nous pouvons voir le détail en cliquant sur « Import References ». Les références, une fois importées, se trouveront dans la section « Title and Abstract Screening ». Dans la portion « Team Progress », l'évolution du vote pour cette étape est affichée. Voici l'évolution d'un projet déjà entamé. Cliquons sur « Continue ». Ça nous amène à l'interface de sélection des articles. Nous avons ici une liste d'articles dont il faudra décider la pertinence pour notre projet. Tout d'abord, quelques mots sur l'affichage. On peut faire apparaître les critères d'inclusion et d'exclusion en cliquant sur « Show Criteria ». Cet affichage permet de garder en tête l'ensemble de nos critères. Pour mettre en évidence des mots-clés, en cliquant sur « Show Highlights », les mots signifiant l'inclusion seront surlignés en vert et en rouge les mots correspondant à l'exclusion. À l'aide du bouton Tag, il est également possible d'ajouter des étiquettes à chacun des articles, par exemple pour un doublon trouvé manuellement. Vous pouvez même ajouter un mot-clé à la volée en cliquant sur Create New. Le paramétrage de ces options est expliqué dans la capsule Créer une nouvelle revue. Il est également possible de filtrer les résultats à l'aide des étiquettes ou des mots-clés que nous utiliserons. Cliquer sur « Show Abstracts » vous permettra d'afficher les résumés sur lesquels vous baserez votre jugement. Une fois l'évaluation terminée, vous devrez choisir entre « Oui »,« Non »,« Peut-être »,« Maybe ». Oui, l'article correspond à la question de recherche. Non, l'article ne correspond pas. Puis « Peut-être » ou « Maybe », je ne suis pas certain. Selon les paramètres de la revue, le vote se déclinera ainsi. Avec un réviseur, on a besoin d'un seul vote oui par référence, même en équipe de 10. Un seul collaborateur est nécessaire pour faire avancer l'article à l'étape suivante. Avec un non, la référence se place dans la catégorie non pertinente ou irrelevant. Avec un maybe, l'article devra être arbitré à partir de la section « Resolve conflicts ». Avec deux réviseurs requis, pour être retenu, un article doit avoir deux votes « oui » ou un vote « oui » et un vote « maybe ». Dans ce dernier cas, le « maybe » n'est pas tenu en compte, l'article passe donc à l'étape suivante. Pour être rejeté, un article doit avoir deux votes « non ». Les situations suivantes se retrouveront dans la catégorie « Resolve ». Soit un vote non, un vote maybe, et évidemment, un vote oui et un vote non. À partir du tableau de bord, nous pourrons résoudre les conflits en cliquant sur Resolve Conflicts. Pour améliorer l'impartialité de l'étude, il est possible de voir les collaborateurs ayant voté, mais il est impossible de connaître la teneur du vote de ces 10 collaborateurs. L'arbitre désigné devra donc décider du sort de chacun des articles. Pour le texte intégral, le principe est similaire. On devra, après avoir lu l'article complet en texte intégral, choisir si l'on inclut ou exclut l'article dans notre étude. Bref, si l'article répond précisément ou non à nos critères d'inclusion et d'exclusion. Si l'on exclut l'article, nous devrons justifier le refus parmi les raisons paramétrées précédemment, comme nous l'avons vu dans la capsule de paramétrage d'une revue. L'accès au texte intégral peut se faire par le DOI dans la description de l'article ou par un PDF déjà importé. Nous discuterons de l'importation des PDF dans la capsule suivante. À bientôt!